Le cours Lecture de plan se donne à la deuxième session de la première année. On y voit le dessin technique. Le dessin technique est un langage, comme le français, comme l'anglais. C'est un langage universel que tout le monde comprend. Tous les techniciens, tous les ingénieurs comprennent le dessin technique. Il est important de pouvoir mettre une idée sur papier. Le cours se sépare en deux parties. La première partie concerne le croquis. Il est important de pouvoir mettre une idée sur papier. Une certaine habileté manuelle doit donc être développée. La seconde partie du cours porte sur le dessin assisté par ordinateur, le DAO. Nous utilisons dans le cours le logiciel SolidWorks. Il permet de dessiner directement en trois dimensions n'importe quelle forme, n'importe quelle pièce. Il permet à l'étudiant de visualiser un objet, de le mettre par la suite sur papier en deux dimensions. Beaucoup d'entreprises de la métallurgie utilisent le langage du dessin technique. Lorsque l'on fait du contrôle dimensionnel, du contrôle sur soudure, on doit comprendre le plan qui représente la pièce. On doit être en mesure d'expliquer, de transmettre aux autres les instructions de travail qui se trouvent sur un plan. Le technicien est souvent responsable de la qualité. C'est donc grâce à la lecture de plan et au dessin technique qu'il pourra compiler sur informatique, l'ensemble de ces observations faites lors des contrôles.